Bon alors, après que Ganondorf ait fait sa petite chose. D'ailleurs, on peut plus enregistrer au bout d'un certain moment nos captures d'écran. Je comprends pas pourquoi. Mais bon, tant pis. Donc là, je voulais aller offrir du sang frais de marmotte. Donc le sang frais de marmotte, si je me souviens bien, c'était par ici, je crois. Oui, c'était ça. Warrior! Tanaran Occidental. Vous gagnez 15 points. Pourquoi je gagne 15 points d'XP? Ah, peut-être parce que j'ai quitté la zone. Donc j'ai découvert un nouveau territoire. Et donc. Et donc je gagne 15 points d'XP, tout simplement. Waouh! C'est classe! Martelter! Ils ont pas mal géré, ça va. Hein. En plus, c'est en cycle, ça c'est la classe. On peut utiliser des chocobos. Je veux utiliser un chocobo. Bref. Bonjour, Saint-Denis. Oh, les coccinelles. Je suis désolé pour toi, coccinelle, mais tu dois mourir. Qui a dit que la coccinelle était l'œuvre de Dieu, etc, etc. Une posture de raptor. Nya. Oh oui! Come on, I'm gonna break your face! Oh, j'ai plus de points de vie. Oh fuck! No! Vous avez perdu un point de conscience, vous allez au point de retour. Non, je ne veux pas y aller. C'est ramener l'aide à la vie par exemple. On peut pas me raise, y a pas des gens qui peuvent raise quelqu'un là. Parce que justement moi qui voulais tester un truc. Téléportation. Potion. Rapatriement. Ah c'est dommage. Parce que je voulais voir justement si y avait des gens qui pouvaient. Enfin s'il y avait des healers entre guillemets ou des gens comme ça. Dans le site. Bon, de toute façon, je savais très bien que, vu comment je m'étais fait poutrer le premier coup, je savais très bien que j'aurais pas réussi, hein, de toute manière, mais c'était juste histoire de tester. Donc ça, c'est quoi? Ah ouais, d'accord, c'est vrai, on peut y aller à partir de là. D'accord. Par contre, bestiaire, carnet d'airain, carnet journal... C'est quoi ça? Emote, signe, rapatriement, équipe, colonie, recherche. Bon, ça limite ça, je m'en fous. Donc, normalement, moi, il faut que j'aille par là. Faut que j'évite de me repérer à la carte aussi, que j'apprenne un petit peu à m'orienter. Bunky. Voilà, voilà, voilà. Légèrement mitra le point du lieu. C'est quoi ça? Attaque automatique, téléportation, rapatriement. D'accord. D'accord. Kilina Occidental. Général. En combat. Ah, on peut toujours bouger ça pendant le. Ah, c'est pas mal ça. Boom. Vol de coups.
Après, personnellement, je vois pas le principe parce que on peut toujours savater. Par exemple. Vous voyez, si je veux savater la marotte, par exemple, je peux courir autour. Mais honnêtement, dans celui-là, j'en vois pas l'intérêt, en fait. Parce que, déjà d'une, bah, je suis un personnage de cac. Donc ça n'aurait, entre guillemets, aucun intérêt. Tiens, salope! Fuyons, mes frères, fuyons! Il y a personne qui tente. Merde, elle est où là? Oh! Excellent! Hello! C'est pas mal ça. Ah, je suis de retour. Waouh, comment il poutre. Ah mon dieu! Ah oh, par contre il lag un p- la tortue lag quand même un petit peu. Je suis une salope! Ah putain! Il peut grimper en haut, tiens. Ah, tu ne peux pas. Ah, c'est bien ça pour les attaques de distance, en fait. Ça peut être intéressant. Apporter le bon commande du dilapidaire patati patata. Ah, bah attendez. Je vais savater une marmotte supplémentaire. Comme ça, je grimperai de niveau. Yeah! Action pied léger. Mais ils expliquent pas, par contre, les coups, ce que ça fait, en fait. C'est quoi, ça? Pied léger? Ça serait bien d'expliquer un petit peu les... Il n'y aurait pas un truc pour connaître action et trait. Ah, nickel. Alors, action, pied léger. Glepa. Voilà, Glap, Lermeras, Arclem, Okmoy, Gordre. Il y a un gros problème de traduction là. Votre esquive augmente de 15%. D'accord. D'accord. Personne est tenté pour se le farcir. Hein. Non ! Ah, c'est nul. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est mal fait. Le fait de vouloir tourner en rond comme ça, il devrait jouer justement sur... Alors, je sais pas, je suppose
C'est, bah d'ailleurs, c'est en temps réel, il me semble, je crois. Les combats. Mais sauf que c'est pareil, moi ce que je pencherais, c'est plus que si on est dans la logique du on arrive à... comment ça ? À tourner autour de l'adversaire s'il n'arrive pas à vous toucher, voilà. Donc là, ce qui est un petit peu décevant, c'est que je crois qu'on est obligé d'être tout le temps en automatique pour poutrer les ennemis. Donc c'est un petit peu chiant, on n'a pas la liberté de sélectionner volontairement un ennemi. Quand je parle automatique, c'est que dans Guild Wars, par exemple, on n'est pas obligé de cibler un ennemi en automatique pour pouvoir le poutrer, quoi. Et donc on peut esquiver des attaques et autres. Là, on peut pas, et c'est un petit peu handicapant, je trouve, le fait de ne pas pouvoir esquiver des coups. Je trouve ça un petit peu chiant. Mais bon, hein, tant pis, c'est des petits détails. Mais moi, après, c'est ce que je ressens quand je joue, en tout cas. Hey Erasmus, vous me ramenez le sang que je vous ai demandé? Oui, le voici, le voilà, tralali, tralala, c'est parfait, ce qu'il mérite. Grâce à vous, je vais pouvoir poursuivre mes recherches et avancer dans la rédaction de mon encyclopédie illustrée des animaux des monstres de Talana. Vous acceptez ce modeste récompense en échange de mes soins que j'ai avec vous. Oh, cache-œil. Oh non, pas un cache-œil. Pièce de cuivre. C'est quoi ça? Monnaie ancienne de l'Empire légendaire de l'Axe. Cette pièce est frappée en cuivre. Monnaie d'échange sans guise. 3 guises. Oh, elle est juste pour le fun, on va prendre ça. On s'en fout, ça peut être drôle. Alors. Personnages. Je peux pas. Pourquoi? Parce que faut le réparer. Ah d'accord, d'accord. En fait, faut réparer les objets qui nous filent qui sont à moitié endommagés, en fait. Oh tiens. Donc on va essayer de trouver un... J'avais vu que sur la route... Voilà, lui il doit pouvoir réparation. Voilà. Eh, ils ont fui. Pourriez-vous me réparer des objets? Tout réparer. Réparer les sigils. Effectivement. Ouais, ça va, ça coûte pas cher, hein. Pour un début. Ah d'accord, il y en a une qui vient de dire vous pouvez obtenir un chocobo avec le level 20. D'accord. C'est intéressant. Alors, oups, non, faut que j'apprenne les raccourcis qui sont ici et personnage. Voilà. Alors. Why? Putain, mais pour porter des chapeaux, faut être niveau 5. Mais si c'était pareil dans la vie, mais putain, mais tout le monde serait mort, quoi. Celui-là, c'est de quel niveau? Ouais, niveau 5. Bon, bah alors, on va grimper en level, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Votre niveau est trop bas pour cet objet. Ouais, j'ai compris. Oh. Achat. Que je me paume pas, moi. Si, c'était... La vie en haut de l'affiche. Ah ouais, c'était là, merde. Je me suis gouré, là. Là honnêtement le jeu commence à devenir un peu plus intéressant dans le sens où dans le sens où bah là comme on commence un petit peu à sortir petit à petit avec des missions, nous faire découvrir au fur et à mesure des paysages etc, ça peut être sympa. Alors moi après il y a des choses que j'aime bien faire dans les MMO. Pardon, j'étais en train de boire de l'eau. Il y a des choses que j'aime bien faire. Il y a des choses que j'aime bien faire dans les MMO. Alors attendez que je me perde pas. Voilà. Ok. Oh le jeune là. Vous avez des bonnes manières à connecter, je pense que les bonnes manières devraient être espérées de demander l'aide des aventuriers pour finir son travail. Je vais lui accorder une petite rallonge de son salaire de ce mois-ci. Il dit que les mariages de tomber de la mort, mais c'est lui plutôt de tomber tout court. Je raconte une terrible brutale lui-même. Ça fait froid dans le dos. Ah, je fais yeah, ta-ta-la-la-ta-ta-ta, Léo fait ouais, ok. Donc,
ceci étant fait, début remarqué. Ah oui, il est où ce branquignol? C'est par là qu'il faut partir. Il y a un truc que j'aime bien faire, je disais donc, dans les MMO, c'est un petit peu tracé aussi. Dans une ville, sans forcément avoir le niveau pour. En fait, d'y aller un petit peu à l'arrache, dire j'évite toutes les missions, en fait, et j'essaye de progresser en allant le plus loin possible. C'est une sorte de défi ou de challenge, hein, qui est complètement futile pour vous, mais moi, c'est un univers, un esprit que j'aime bien. C'est en fait, vous foncez le plus loin possible, en fait, pour aller découvrir des horizons sans forcément avoir le niveau, et vous montez au fur et à mesure, en fait. Alors, on va pouvoir rentrer ici. Ah, et putain, mais ils se ressemblent tous les endroits, quoi. J'ai mime. On va t'appeler Janine. Réception de la guilde. J'ai une requête pour vous. Un accessoire sur mesure. Votre bon de commande, je vous prie. Voilà un concept bien original, dites-moi. Êtes-vous sûr que ce diadème ne sera pas trop tape à l'œil? Oh! Je vois qu'il va nous falloir monter un grenade, mais je suis désolé, nous n'avons actuellement plus en réserve. Si vous êtes pressé, je vous conseille d'aller demander directement à Croquette Ave et de parvenir au genre brut de fournisseur chez les mineurs. What the fuck? What the fuck? Non, on peut pas. Alors, oh, je me suis bloqué, je sais pas où je suis là. Alors j'essaye la vue à la... en FPS. Honnêtement, c'est pas agréable du tout. Je trouve ça beaucoup plus handicapant. Et le fait que, en plus de ça, le jeu soit légèrement... qu'il y ait une légère latence. C'est vraiment léger hein, en termes de latence, mais... on le voit quand on bouge, quoi, qu'il y a un petit... une petite latence, bon c'est pas grand, c'est pas méchant, mais bon. Alors. Et donc le FPS, oui, je disais, j'étais en train de penser carrément à autre chose. C'est pas agréable du tout. Voilà. Toi, je te l'avais pas fait, ça. Mais non, pas naturellement. On peut voir son bras quand il le fume ou pas? Ah, c'est moins drôle. Ça aurait été sympa. Alors, Hop là. Hello, bonjour, Crooked Haft. Voyez pas que je suis en train de me reposer? Ces aventuriers, aucun respect, je vous jure. Quoi? Il vous faut un grenat brut? Vous êtes vraiment sûr que ça peut pas attendre demain? Ces gros, ces gosses de riches, je vous jure. Un gladiateur, hein? Plutôt un autre de ces gamins qui font passer leur apparence avant leur sécurité, oui. Enfin, le travail, c'est le travail. Je vais apporter ce grenat brut à la guilde des orfèvres de ce pas. Gladiateur ou mineur, c'est en étant efficace qu'on se fait un nom. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà au moins un mec qui a compris. L'esthétisme, connasse, ça sert à rien, tu m'entends? Sandrago. Wow. Alors, qu'avez-vous à m'offrir, les gens? Bitter Snow. Au moins des gens de mon espèce. Bitter Snow a rendez-vous avec sa petite amie Yellow Moon. Yellow Moon et Mamo Mitsukazo. Bref, Akeboshi, la chanson Yellow Moon de Naruto, bref. Mais celle-ci a déjà 2 heures de retard. Oui, c'est normal. Il s'inquiète et aimerait que vous partiez à sa recherche. Non, mais vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui peut la retenir comme ça?
je sais pas, le maquillage, son cycle. J'ai rendez-vous ici avec ma Yellow Moon adorée. Ça fait déjà 2 heures que j'attends. Et toujours aucun signe de sa part. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Imaginez si elle venait me rejoindre alors même que je viens de m'absenter. Dites, vous ne pourriez pas aller vérifier ce qu'elle fait? Sa maison se trouve à proximité de la guilde des couturiers. Elle a toujours adoré admirer les robes de soierie du... Par les 12, pensez-vous qu'elle aurait pu me quitter pour quelqu'un de plus élégant? J'essaie de ne pas trop être un gars, mais je ne sais rien de médiocre tendance à la mode. Sérieux, c'est quoi ces quêtes, quoi? On joue à Final Fantasy, là, ou on joue sur du social Sims ou je ne sais quoi, là? Mais sérieux, on va... Là, on a une mission à faire. Allez voir si sa concubine est bien habillée, qu'elle est bien propre, qu'elle est bien maquillée et qu'elle ne le quitte pas. Non, mais sérieux! Je sais pas, moi, je m'attendais à jouer à FF, à ça va être du monstre ou autre. Non. Vous allez mettre des robes, vous allez mettre 2 petites couettes, 2 petites nattes. Et vous allez jouer les gardes touristiques et genre les gardes sociales. Bureau des pleurs, quoi. Sérieux. Where are you, bitches? Hop. Hey, Yellow Moon! Que Beauregard me garde! Regardez-moi, je suis épouvantable! Ma coiffure et cette robe, ils ne vont pas du tout ensemble! Hors de question que je me montre comme ça à un rendez-vous avec mon Beater Snow bien-aimé! Peut-être que la tunique de l'heure était mieux après tout, cette jupe bleue! Allez, vas-y, mais ça, vas-y, j'ai même pas envie de lire tellement que ça m'énerve! Je suis désolé, mais franchement, quoi! Wow. Juliana! Juliana et la guilde des couturiers semblent s'inquiéter du manque de manœuvre pour les préparatifs d'un gala. Non mais. La guilde des couturiers d'affecter en effervescence, c'est le grand gala, les consommateurs, mi-temps. Bien entendu, ils ne s'occupent pas que des tâches les plus simples de préparer les matériaux décisifs et assister nos clientèles. Ouais, en gros, on va faire le convoyeur de tissus. Accueillir Juliana les bras ouverts. Non, c'est une blague. C'est une blague. Émoticône, accueillir les bras ouverts. Vas-y, viens dans mes bras, poupée. Vas-y. Viens. Oui, c'est très bien de cette façon. Je suis sûr que vous saurez éveiller la curiosité des passants. Accueillir Julian. What? Venez. Je vous dis de venir. Aventurier, sachez que nous, jeunes édulciennes, tatati tatata. Ouais, mais regardez, je fais accueillir. Normalement, si j'ouvre les bras comme ça, vous devriez être aimanté par mes ions et par mes électrons et mes neutrons. Oui, et recruter des passants en accueillant. Non, mais. Pff. Je suis désolé hein, de montrer un petit peu de mécontentement, mais. Et voilà quoi. Là, ça me. Disons que c'est pas des quêtes. Enfin, honnêtement, je trouve pas. Pour du Final Fantasy, je trouve que faire des quêtes de genre. Ouais, aller voir si mon mari va bien ou quoi. Enfin. À part monter de l'XP. Enfin, je sais pas, ça sert à rien quoi. On peut quand même faire des sous-quêtes un peu plus. Un peu plus riches que ça quoi. Je sais pas. En plus de ça, ils sont tous en train de refuser, je crois, depuis tout à l'heure.
Lord Kinglish. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu me gênes? Déguerpille avant que je te mette une raclée. Mais non, regarde. Je suis un ami. Viens dans mes bras, vieux frère. Hein? Un boulot à la guilde des courtiers, des couturiers? Non, mais tu m'as bien regardé. Je crois pas avoir une tête à passer ma journée à tricoter. Je suis occupé, va donc voir ailleurs si j'y suis. Oh mais sérieux quoi. Un tour pour rien. Oui, hop là. Juliana, il y a un petit problème. Ah, Kokushima, bon voilà, alors, comment s'est passée notre petite campagne de recrutement? Vous avez pu voir la guilde des couturiers, les personnes différentes, nombreux sont ceux qui iraient à diverses places. Il est vrai que l'extérieur et le monde de la mode ne peuvent changer d'image luxueuse et raffinée. Mais j'ai réussi à beaucoup d'efforts de persévérance comme partout finalement. Comment s'appelle elle? Ah, et Tailwind! Ah, et Tailwind! Wayne, bon, mais lol. À la guilde des couturiers. Non mais sérieux, ça commence à me pomper les couturiers et tout là. Voici notre dernier modèle de robe. Nous avons bientôt la marre de vendre quelque chose qui ne va pas. La coupe est parfaite, cela ne fait aucun doute à mes yeux. Non, le problème c'est la couleur du tissu. Je n'arrive pas à décider d'une teinte qui soit en accord avec le concept original. Je sais, vous seriez un véritable amour si vous acceptiez de faire un petit sondage auprès des habitants du Ludia de savoir de quelle est la couleur de la mode de cette saison. Surtout au district politique, c'est là-bas que résident nos meilleures clientes. Une fois cela fait, vous n'aurez qu'à vous adresser à le cul. À la guilde des alchimistes, Elle n'a pas d'égal pour composer des teintures. Demandez-lui de préparer la couleur que vous avez identifiée comme la populaire de la cité. Non. Donc, on a eu à s'occuper d'un mec qui avait peur que sa meuf le quitte. Ensuite, c'est une meuf qui faisait du shopping qui trouvait que ses fringues lui allaient pas. La seconde, c'était quoi? Là, on est en train de se taper un homosexuel qui veut faire des robes. Et la troisième, c'était une nana pour de la couture. Pouah! Ah, je suis désolé de couper aussi vite, mais là, honnêtement, c'est... C'est un petit peu agaçant. Vous avez vu mon personnage, c'est Ganondorf. On est d'accord. On est tous d'accord que mon personnage ressemble à Ganondorf. Est-ce que vous croyez que vraiment Ganondorf aurait envie de faire de la couture? Je ne pense pas. Oh mon dieu, mais il sait courir! Vite, fuyons, mes frères! Il veut nous faire la peau, ce petit vieux!